En 1830, la puissance de la Société des droits de l'homme à Paris reposait sur l'ardeur de plus de 3000 sectionnaires, orateurs de clubs ou combattants, et elle agitait la province par une foule de sociétés qui, sur les principaux points du royaume, s'étaient formées en son nom et à son image. Entretenir l'élan imprimé au peuple en 1830, alimenter l'enthousiasme, préparer les moyens d'attaque en élaborant les idées nouvelles, tenir en haleine l'opinion et souffler sans cesse aux âmes atteintes de langueur, la colère, le courage, l'espérance, tel était son but. Et elle y avait marché la tête haute, avec une énergie, avec un vouloir extraordinaire. Souscription en faveur des prisonniers politiques ou des journaux condamnés, prédication populaire, voyage, correspondance. Tout était mis en œuvre. De sorte que la révolte avait, au milieu même de l'État, son gouvernement, son administration, ses divisions géographiques, son armée. C'était un grand désordre, sans doute. Mais il y avait là, du moins, un élément de vitalité, un principe de force. Des idées de dévouement s'associaient à ces projets de rébellion. Dans cette lutte de tous les instants, le sentiment de la fraternité s'exaltait, on s'y exerçait à jouer avec le péril. On y vivait enfin d'une vie pleine de sève. La Société des droits de l'homme demandait un pouvoir central électif, temporaire, responsable, doué d'une grande force et agissant avec unité, la souveraineté du peuple mise en action par le suffrage universel, la liberté des communes restreinte par le droit accordé au gouvernement de surveiller au moyen de ses délégués les votes et la compétence des corps municipaux, un système d'éducation publique tendant à élever les générations dans une communauté d'idées compatibles avec le progrès, l'organisation du crédit de l'État, l'institution du jury généralisé, l'émancipation de la classe ouvrière par une meilleure division du travail, une répartition plus équitable des produits et l'association, une fédération de l'Europe fondée sur la communauté des principes, d'où découle la souveraineté du peuple, sur la liberté absolue du commerce et sur une entière égalité de rapport. Ces vues étaient développées et justifiées dans un exposé aussi lumineux qu'incisif. Puis venait la Déclaration des droits de l'homme, telle que l'avait présentée à la Convention Maximilien Robespierre. La publication du manifeste fut accueillie avec des sentiments divers, mais également passionnés. De presque toutes les villes importantes du royaume, de tous les quartiers de Paris, la Société des droits de l'homme reçut des adresses d'adhésion et, d'un autre côté, les écrivains de la cour, les publicistes de la bourgeoisie, se répandirent contre le manifeste en malédictions et en injures. La Déclaration des droits de l'homme portait, article 6, la propriété et le droit qu'a chaque citoyen de jouir à son gré de la portion de bien qui lui est garantie par la loi. Cette définition, si juste, devint le sujet de commentaires empoisonnés. « Vous l'avouez donc enfin, s'écrièrent avec un effroi simulé les partisans de la monarchie, ce qu'il vous faut, c'est le partage des biens. Continuateur de Robespierre, c'est la loi agraire que vous demandez. » Les mots de loi agraire, de partage des biens, retentirent bientôt en France, du nord au midi, de l'est à l'ouest. Et pour donner plus de solennité à l'accusation, M. Dupin lut à l'audience de rentrée de la Cour de cassation un discours dans lequel il présentait la République comme menaçant de mettre chaque propriétaire à la portion congrue. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.